Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Tiny Tinus Wonderland Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Toute carte est une carte au trésor. Bon. Ça te dit? Les cadavres se taisent! Oh, jamais! Bon. Salut, Phil, c'est ça? Je suis là pour vous filer un coup de main. Vraiment? Oh, qui que vous soyez, je vous aime. Écoutez, je suis dans la panade. Les pirates du coin pensent que je suis maléfique à cause de ma voix, de ma magie et de mon isolement dans une grotte en raison de ma phobie sociale. Ils vont m'exécuter si je trouve pas un avocat pirate pour plaider ma cause. Le problème, c'est que je suis pas avocat pirate. Oh, n'importe qui peut devenir avocat pirate. Il suffit juste de déclarer. Hardy Moustaillon, je suis avocat pirate, j'ai pas le chemin du bateau. Et emballé, c'est pesé. Parfait. Alors tout d'abord, essayez de trouver un levier qui pourrait me libérer de ce cercueil en surchauffe. Une petite seconde. Ok, on va sortir ce pauvre bougre malheureux et sans doute pas méchant pour un sou. Qu'est-ce qui se passe? Non, stop! Vous êtes qui? Je veux pas! Phil, je vous ai perdu! Vous m'entendez? Vous êtes tombé dans le plus vieux piège du monde. Un levier qui ressemble à un levier d'ouverture, mais qui n'en est pas du tout. D'ailleurs, je vais s'écouiller! Ok, donc le type dit avoir un certificat de non-méchanceté de la reine étalon du cul dans sa grotte, c'est ça? La vache! Quelle mémoire! C'était il y a au moins 17 secondes et tu t'en es souvenu. Bravo! T'as vu? Merci! Donc là, faut qu'on trouve comment y aller, non? Un peu, mon cheveu! Va falloir trouver cette vieille grottasse! Non, ce que je veux. Thank you.
aucune chance. La vraie magie, c'est les cultures ciselées de talentueux scénaristes à travers le monde. Bon. La carte indique seulement où se trouve la ville. Dans ce cas, il suffit de demander son chemin aux gens du coin. Déchirement de la terre! Ce pirate a l'air d'être du coin. Il pourra peut-être nous aider. Ok, mais il va falloir la jouer fine et faire semblant d'être un pirate. J'ai horreur d'attendre. Il faut quelque chose. Vous voulez quoi, vous? Vous avez tout sauf une tête de pirate. Bon. Espèce de malin d'eau douce, je vous interdis de me dire que je ne suis pas pirate. On a grave géré sur ce coup-là. Oh, vous êtes pirate, hein? Eh bien, je vais vous demander de le prouver. Comment vous comptez faire? Je vais vous le prouver en pillant la grotte de Phil. C'est par où, exactement? Excellente idée! J'adore les pillages. Pour la grotte, elle est un peu plus loin. Mais bonne chance pour y entrer, par contre. Oh, et d'autres loups de mer sont déjà passés pour essayer de la piller. Alors vous aurez peut-être de la concurrence.
apercevez une feuille de poésie. Je sais pas. Ah, ok. Ouais. Quoi ça? Nac. Pour moi, c'est juste du butin qui attend d'être plié. Mon sort est prêt. Tant pis. Bouillon de magie.
pensé que c'était là, fallait aller. Non. Bon. Salut Jess, ça fait longtemps que t'es là? Je suis en plein combat là. Non, pas tant. Ok. Tais-toi et laisse les autres réfléchir un peu. Ok. Réseau de cascade de fil. Oh, c'est quoi ça?
réfléchissez. La solution est quelque part dans le coin. C'est comme ça que ça marche, les énigmes. Je sais. Tu me prends pour qui? Si seulement il y avait une image pas loin qui indiquait la solution. C'est bon, quoi. On gère. Bon, il faut que tu reproduises les symboles, ok? C'est exactement ce que j'allais dire. Oh, j'essaye juste d'aider, moi. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui est quoi? De nombreux trésors m'attendent là. Bon, on n'a plus qu'à trouver le certificat de non-méchanceté de ce type. Même si je... Gros voiciste. Ouais. C'est toi qui lui as donné une voix super magnifique. Je sais pas comment je vais faire. C'est peut-être parce que je vais tester l'ouverture d'esprit de mes joueurs. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, j'avoue. J'y avais pas pensé. Pas du tout. Ouais, je vois ça. Ok, très bien. Je suis voiciste. C'est ça que vous voulez entendre? Si tu le reconnais, c'est un premier pas. Bah, lâchez-moi. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Jess? C'est plutôt décevant. Quoi? Tu t'attendais à un genre de repère secret super inquiétant? Oh, non, peut-être. Enfin bref, faut qu'on trouve le certificat. Vous voyez? Ça avait l'air super maléfique! Tu veux pas changer de disque? Bah merde alors, c'était vrai. Il y a même l'empreinte du sabot de la reine étalon du cul, la reconnaîtrait entre mille. Voilà, il n'y a rien de maléfique. Bref, on a ce qu'on était venu chercher, on n'a plus qu'à se faire ouvrir la porte de cul de Sacré-Pan. Bon.
Je suis debout depuis 4 heures. Ça va pas, il est tard à soir. Tu vas m'abandonner de bonne heure, ben. Je boirai du café. Trident des tritons, vous revoilà. Oh, je suis là. Les marins d'eau douce vous ont pas fait la peau? J'aurais pourtant parié. Ils risquent plus de faire la peau à grand monde, parce qu'ils sont morts. Rapport au fait que je les ai zigouillés. Bien, quoi de plus piratesque que de zigouiller d'autres pirates. Allez, vous pouvez entrer, mais je vous déconseille quand même de défendre Filou le Gland. Ce type est mauvais, plus mauvais que Cruelloc le Maléfique. Aussi vrai que je m'appelle Francis Brise-Nageoire. Je vais vous ouvrir la porte. Mais je préfère vous prévenir, vous aurez du mal à accéder à la prison. La porte est verrouillée à cause des totems bizarres de Filou l'œil tordu partout dans la ville. Le garde très séduisant refuse de laisser passer qui que ce soit tant que la question ne sera pas résolue. Alors, Phil a placé des totems étranges dans la ville? C'est pas très bon signe pour notre affaire, ça. Dans ce cas, on va détruire l'épreuve. Facile. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. On va détruire l'épreuve. Wow! D'où est-ce que ça sort, ça? J'ai une hypothèse. Tu comptes la partager avec tes camarades, Fred? Non. Merci pour ton aide, vraiment. Petite danse est terminée. Je suis où, moi?
Je te sors un sort. Ok, je commence à repérer un peu ça. Voilà qui confirme un peu plus mon hypothèse. Et j'imagine que t'es toujours pas décidé à la partager avec nous. En effet. La prochaine fois, choisis une cible moins coriace. Encore apprendre des grimaces à mon âge. Explose. Je pars pour l'enfer.
Bon. Oh, je vais vous dire comment je monte là-dessus. Et là. Je sais pas, c'est comme si Phil avait placé ses totems dans la ville pour protéger les pirates des bateaux. C'est bien mon hypothèse. Ah ouais? Pardon? Tu dis pas seulement ça maintenant que j'ai tout compris pour avoir l'air plus intelligent que tout le monde. J'ai pas besoin de ça, mais... Ah, bon, ok. Maintenant qu'on a détruit l'épreuve, on n'a plus qu'à retourner à la prison pour défendre notre client. Il dirait que quelqu'un s'est dégagé. C'est reparti pour un coup. Détroussez-moi ce poli. C'est des guns de merde là. Bon. De nous avoir débarrassé de ces totems, mais les seules personnes autorisées ici, ce sont les prisonniers pirates, les geôliers pirates, les juges pirates et les avocats pirates. Ayant personnellement passé l'examen du bateau, ça me choque. Je suis avocat pirate et je viens plaider la défense de Phil. Oh, et ben ça alors, mille excuses, votre honneurté. Je vous laisse passer dans ce cas. Bonne chance pour défendre Phil ou l'œil tendu, par contre. Il vous en faudra. Ce type est le mal incarné. Pire qu'Atrox, l'atroce maître de l'atrocité. Aussi vrai que je m'appelle Hubert Pitlajoie. Hubert Pitlajoie? Brise. Nageoire, hein. Ça va péter comme les canons d'un bateau.
Fuck! Il était juste là, sti. Elle apparaît ma face, je la tuais puis je revenais en vie. Jess. Il est peut-être encore dans cette boîte. Charme.
dû le transférer à la prison. Suivons sa trace. Eh ben alors, on n'a plus qu'à trouver un moyen d'y grimper. Il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul moyen de monter. Non, j'espère que c'est pas encore une énigme. Non, c'est un parcours de plateforme périlleux. Wow, super! Bon. Approche un peu, espèce de dingue. La prison semble fermée à double tour de tout en bas jusqu'à son sommet. Ouais, forcément une entrée. Enfin. Sauf si c'est un de ces bâtiments où le maître du bunker n'a pas pensé à l'intérieur, qui serait là juste pour faire joli. Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est qu'un commentaire méta. J'ai vraiment pas de... J'espère que ça va être cool. Ça me donnerait presque envie de pleurer. J'ai plus rien. La vraie magie, c'est l'écriture ciselée de talentueux scénaristes à travers le monde. Ok, ça avance tranquillement. Ce mur a pas l'air solide. Oui, en effet. Moi, des fois, quand je trouve pas de porte, je m'en invente une. Vraiment? Avec quel genre de sort? Non, je veux dire, je fais exploser un mur. C'est vrai que ce serait dommage de te fouler un neurone. Me fouler un quoi? Ok, vous remarquez un canon. Oh, vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Je voulais pas non plus que vous restiez coincé. C'est moche d'être coincé. Allez, bim! Qui c'est qui avait raison? T'enflamme pas, tête de nœud. On doit encore trouver notre client. Je viens juste de passer en revue la législation pirate et la définition légale de maléfique reste assez sujette à interprétation. Ah ouais? Et tu peux m'indiquer où ça apparaît, s'il te plaît? En annexe R. Ha! Quoi? Non. Sérieux? Laisse tomber. Ça y est, j'ai figé. Ah ouais? Non. C'est bien ça! Sérieux? Oh, jamais.
Les escaliers que je vois pas, moi, là. Ah, ici. Jess! Dors déjà? Je vais où? Au sud. Si quelqu'un souhaite défendre cette personne de toute évidence maléfique, merci de vous présenter immédiatement à la cour. Vous avez l'intention de prendre la défense de ce crétin. Crétin, c'est un peu fort. Très bien. Concertez-vous avec l'accusé, qui est sûrement coupable. Nous allons bientôt commencer. Ok, c'est quoi votre plan? Alors, j'ai préparé une attaque en béton. Je vais invoquer le vice de forme et la jurisprudence dans l'affaire Jambe de Bois contre Scorbut, bien sûr. Non, non, non. Écoutez, présentez simplement le certificat et dites-leur que je suis un type hyper sympa qui veut aider ses proches. La séance est ouverte, sous la présidence du juge Bouillon. C'est moi. Nous sommes ici pour étudier le cas du dénommé Filou l'œil tordu, accusé d'être super maléfique par environ tout le monde. Si la défense a des preuves à présenter, c'est maintenant. Votre honneur relatif, ce certificat de non-méchanceté prouve que Phil n'est pas maléfique. Il est vraiment sympathique et il gagne à être connu. Un quoi? Oh, oh, objection. Rejeté. Ah. Une seconde. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous continuez vos âneries, je vous envoie en cellule pour atteinte à magistrat. Et maintenant, je vais discuter de votre preuve avec mon conseil. Oui, mais... Ok, je vois. Sans déconner. Oui. Bon, ça marche pas super. La cour a statué que ce certificat de non-méchanceté était complètement frauduleux. Et aussi, qu'il fallait vraiment être un sacré débilos pour inventer un nom aussi stupide. Alors ça, c'est pas très poli. Hein? C'est ton personnage. C'est toi qui lui fais dire... Mais je veux pas mourir.
crois que ça marche. Tabarnak. C'est terminé. Abeas, cadavrum. C'est pas ça qu'on dit. Oh, Seigneur. Oh. Je voulais pas que ça se finisse comme ça. Je voulais juste qu'on me laisse vivre ma vie. Vous savez, je crois qu'on peut tirer une conclusion philosophique quant à la nature même du mal, après ça. Ouais ? Et qu'est-ce que c'est ? C'est... Une seconde. C'est pas grave, prends ton temps. Le mal, c'est pas bien. Je ferais peut-être aussi bien de prendre ma retraite, mais bon ! Un dernier gros coup, ça peut pas faire de mal! Le mal, c'est pas bien, ce qu'il dit. Ah, c'est lui, j'avais venu voir, fait que, ok, ouais, j'ai fini ce mystère-là. Une porte, je peux utiliser. On serait prêt. Tu as les écailles drôlement luisantes.
pour vous. Rien. Vous allez appeler terriblement long. J'avais oublié que t'existais, pas trop de temps. C'était tout pour l'aventure du jeu. Teeny Tiny's Wonderland Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!